Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, jeudi 25 mai de la 7e semaine de Pâques. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus ne prie pas seulement pour l'unité de ses disciples, mais il prie pour que demeure en eux l'amour dont le Père l'aime et les aime. Pour demeurer dans l'amour de Dieu, il faut demeurer dans l'amour du Fils, qui nous révèle le visage du Père. Voilà la nouveauté. Amour et unité, amour et vérité. Amour qui nous permet de glorifier le Père, amour qui contemple la justice. Oui, le Père juste qui a aimé le monde en envoyant le Fils veut aussi que celles et ceux qui ont accueilli le Fils demeurent dans cet amour. Amour qui est unité et non uniformité. Voilà la nouveauté de l'évangile de Jésus-Christ. Demandons, chers frères et sœurs, dans cette célébration eucharistique, la grâce de travailler pour l'unité, de travailler pour l'amour qui triomphe de la haine, l'amour qui construit le royaume, l'amour qui distingue les frères et sœurs qui s'aiment véritablement dans l'unité de la Sainte Trinité. Que cette célébration nous y aide, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.